Et bonjour à tous, c'est Brassurso pour une nouvelle vidéo pour le montage de mon PC. Alors, on va commencer par mettre les barrettes de RAM, le processeur. Donc, alors, on va ouvrir. Donc, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo de présentation de tout mon matériel. Donc, voilà. Alors, je vais... Hop. C'est bien en fait, j'ai tout fait ça. J'ai tout fait ça hier et en fait je refais ça, je remets le bordel aujourd'hui. C'est pas mal. Donc ça, à garder. Sans mettre après. Ok. C'est un peu compliqué à enlever, surtout. En fait, ça fait super mal main. Tu touches, il y a plein de trucs en dessous en fait. Ok, tout ça, j'essaie de faire un peu. Hop, voilà. Alors, comme ça. Alors, je remets bien ça. Donc voilà. Alors, on va déballer le petit processeur. Je vais le mettre comme ça. Si on aura besoin, puisque j'ai vite expliqué un truc. Voilà. Le processeur de Intel, on va pas l'utiliser, nous. On s'en fout un peu. On est devant tirade. Donc, alors on va mettre ça dedans. Alors, j'ai un peu les mains, ouais, problème. Ouais. Alors, comme ça, comme ça. Okay. Alors, le processeur. Comment le tromper en bas, ok, comme ça, non, voilà, c'est bon, là on referme, voilà, si c'est dur, autant mieux. T'as vu, on voit bien, ouais, c'est normal, ça veut tout dire, c'est bien qu'il est bien, voilà, par contre c'est vrai que c'est un peu dur, hein. Bien attention. Alors. Donc ça c'est bon. Alors après on va faire les barrettes de RAM. Qui sont là. Tu peux mettre ça sur ça, voilà. Pareil. Alors. Voici les barrettes de RAM. On va les mettre là-dedans. Alors par contre, le dual channel là-dedans. Ça, quand c'est 2-2, c'est... On va voir sur le bouquin. Je pense à cliquer. Ah ouais, donc D1. Ok, donc les deux, il faut les mettre là. Donc, ouais. Si je comprends bien. Oui, ouais, je pense. Donc ça, on va les fermer. Ça sert à rien. Donc... le petit détrompeur, il est là, donc il faut les mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Regardez bien, c'est bien vert, voilà. Maintenant, on doit attendre un clic. Voilà, un, deux, voilà. La deuxième. Voilà. Sur le deuxième, ici. Non, il faut forcer un truc de malade. Voilà. Oh là, attendez. On va laisser un truc. C'est aussi bien comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, voyons. Faut quand même forcer, hein. Non, c'est vrai que un petit autocollant d'ailleurs à garder sur la tour. Ouais, on va sur la tour, c'est fini. Voilà, tiens. Ça c'est bon.
Ça, on va le garder, on va le mettre de côté, parce que vraiment... Bon, maintenant, ça c'est bon. Il n'y a quand même rien qui était... Non, ok. Donc maintenant, on va mettre ça dans la tour. Donc, on va prendre la tour. Attends, il y a un peu trop le bordel ici. Il n'y a pas cette place surtout. Vas-y, on lève le bloc. Ouais. Ça c'est bien, comme au moins, on a plusieurs personnes. Alors, hop. Donc, on va le mettre là. Alors, déjà, il y a des entretoises à mettre. Ça, à garder aussi, parce que il y a tout. Il dit tout quand on met les entretoises et tout, donc à garder. Papier, ça va voler. Hop. Regarde un peu près ce qu'il dit. Ouais. Donc, alors, est-ce que c'est là-dedans les trucs qu'ils ont mis? Les entretoises, est-ce que c'est pour moi que tu mets? Je peux que. Normalement, c'est boîtier. Ouais. Ouais, voilà, il y a toute la visserie. Donc on voit que c'est quand même ok comme ça. C'est bizarre quand même. Ah non, ils ont mis... C'est bizarre mais... Donc alors on va visser cette petite... Bah c'est... Il y a 9 vis ou comme ça je crois. Donc on va les visser. Après avoir fait monter la carte mère, en fait il n'y avait rien à faire parce que tout était déjà installé. Il fallait juste installer la backplate. Et voilà, donc alors on va les visser, on va mettre une là. Essayez toujours de répartir, de répartisser le poids. Voilà. Voilà. Hop. C'est qu'on voit pas. Ah, c'est bon, elle est dedans. C'est bon. Cherchons le tournevis. Ah, si, c'est là, je suis arrivé, c'est là. C'est bon. Et après, il y a encore une. C'est l'autre. Faut une autre vis.
truc. Est-ce que tu dis moi, on est tout le monde. C'est fait. Non, c'est bon. Ça, c'est vrai, bizarre. Donc là, on va faire le turnaround. Ça, c'est fait. Puis après, on va celle-là. Celle-là, et celle-là, bah, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est une en trou, je t'avais dit. Une en arabe. Une. Ouais. Donc on a deux. Et donc c'est aussi. Ah bah non, il y en a deux en rab. Parce que c'est là. Parce que là donc c'est bon. On va chercher un tournevis puis on se reprend à tout de suite. Alors, on va mettre le ventilateur. Donc alors avant du coup ça c'est enlevé. Donc il faut le mettre. Donc, tac, on fait comme ça. Et après, on pousse. Oh là. C'est un peu dur. Hein. Ouais. J'en ai mis un. Pour le deuxième. Pretty. Voilà, ça c'est bon. Là il est mis. Regarde l'autre. On va mettre le deuxième. Alors, pour le deuxième, et ben, c'est pareil. Tout le monde comme ça et hop et voilà merde putain alors on se retrouve alors après avoir une petite blessure de guerre alors faites attention à ça parce que ça coupe hein. Même, ouais, ça coupe quand même pas mal donc alors maintenant on va le brancher on va le mettre alors on va retirer ça hop. Ok. Il n'y a pas un sens, hein. Non. Tu peux mettre dans les deux sens. Ouais. C'est comme ça, dans le sens. On va pas le mettre là. Ok, comme ça. Faut juste appuyer, en fait. Il y a cette trou à vache. Faut faire comment? Faut juste appuyer. Ok, attends. En fait, faut pas que ça touche. Ok, comme ça. Alors, on a fini de monter le ventilateur qui nous a duré quelques petits soucis parce que putain, c'est chaud. Franchement, il faut quand même forcer, mais faire aussi attention. C'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, il fallait pas mettre déjà le ventilo, il fallait mettre déjà ça, puis le visser et tout. Et faire attention parce qu'il y a un petit bout de plastique en plus qu'il faut mettre et après du coup ça va un peu compliqué. Donc alors on va brancher ça sur le CPU fan AN SPUF AN comme ça hein. Alors voilà c'est bon voilà ça c'est fait on va remettre ça Tac, tu vas mettre. Ouais. Regarde, c'est bon, on ne montre pas. Tac. Ouais, faut appuyer, c'est tout. Ouais, t'appuies comme ça, tac. Voilà, ça c'est bon. Donc, bah ça avance quand même. Ouais. Ça on a un peu galéré, mais ça avance. Doucement, ça avance. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Ça on peut mettre tous les câbles. C'est chiant. Mais on faudra les mettre. Un jour. Un jour. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Parce que c'est chiant à faire ça. Donc au moins on aura fait. Il y a quelques graphiques à mettre. Ouais, ça on mettra la fin graphique. Ouais, c'est la fin. Ça va vite, ça va. Tac.
Avec tes livres. Ça, passer ça en dessous. Ça aussi. Bon. Ça c'est quoi? USB. Donc ça c'est le 3.0. USB 3.0. Normalement, il doit en avoir deux des connaissances. Allez, on est en 36 000 les câbles maintenant. C'est bien. Ah bah tiens, c'est pas là. Là c'est quoi ce mot plus bas? USB 3. Est-ce que c'est ça? Bah, c'est là il y a marqué USB 3. Et bah... USB 3. Normalement, USB 3. Il y en a pas deux. Il est où ton USB 3? Bah c'est celui-là, le gros. Le gros? Ouais, le gros. C'est marqué où? C'est pas marqué, mais je sais que c'est ça. T'es sûr? Ouais. Bah, de toute façon, USB 3, ça rentre ou quoi? Tu veux merci à part un autre ouais, peur. Voilà, ouais, centre. Ouais, bah, c'est bon. Ok. Alors, attends, par contre, on va essayer de. Ça passe pas pour moi. Après, on peut. On va essayer de faire après un peu de cable management. Oh, il y a des petits trucs ça, après, ouais. Je peux essayer. Ça se retire comment? Parce qu'après, on peut le repasser. Ok, ça se tue. Alors attends. C'est, on va faire bien passer, donc ouais. C'est celui-là. C'est celui-là. Et ça, on va essayer de voir si ça va passer. Comme ça. Hop. Ouais. Je sais pas si on va pouvoir. Ou il faut enlever la truc arrière si tu veux. Voilà, c'est de ce côté-là. C'est bien. Voilà. Comme ça, et tu... Non, tu le fais pas passer en diamant, ou alors tu le laisses là-dedans. Hop, alors tu le mets comme ça. Comme ça. Ah, regarde, parce que maintenant il y a toujours un petit décompte. Ouais, ah, regarde. Tu vois la liste, c'est pas. Ah ouais, la liste, elle va pas. Ouais. En même temps, voilà, un petit coup de tournevis. On avait bien mis, mais voilà, je pense que la force. Pourtant, ah oui, il faut bien ça. Elle se fait. Ah oui, je crois que j'ai bien serré. Bon. Après ça, c'est quoi? HD audio. Donc, ça, c'est l'HD audio. Alors, le HD audio. Maintenant, c'est marqué HD audio. Et maintenant. Ah, t'as les SATA qui sont là, les SATA, c'est un disque dur. Non, mais non, c'est vert là. Faut savoir que l'encoche. C'est comme ça. L'encoche. De toute façon, t'as 5 et 4 broches. Tiens, c'est celui-là. Non, ça c'est l'USB. Bah, ça c'est quoi, attends? Bah, c'est audio. Bah, alors attends. Attends, il y en a un autre. Normalement, il y a un USB normal. Donc... Tiens, USB. Pareil, celui-là, on va passer, là. Ouais. En fait, c'est mieux peut-être de retirer le panneau arrière, ouais. Ouais. Ce qu'on va faire. Hop. Ouais. Ah, comme ça. Ah, bah oui, c'est un... Ouais, il faut retirer. Alors. Ouais. Tac. Panneau arrière. On va retirer. Ce sera plus facile de passer les fils. Ouais. Ouais. On va laisser comme ça, je pense, pour l'instant. Voilà. Voilà, comme ça au moins voilà, on peut bien voir. Donc c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il est oublié. Allô. Sûrement les filets sont mieux. Et là, on va le faire passer là. Et après. On va le faire passer ici. Ah bah oui. Et USB, on va continuer. C'est que si tu vas voir, oh, pardon, la caméra va.
Merde, je l'ai vu et je l'ai vu. Regarde les broches. Ouais, donc comme ça. Marqué les deux en dessous. Ouais, c'est marqué dessus. Okay. Regarde, ça va comme ça. USB, regarde. Ah oui, c'est USB audio et là ça saigne. Alors tu mets comment en haut? Ça serait 4 broches en haut. Ça fait 3, rien du tout. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Comme ça on va. Voilà, on voit pas. Et après, là c'est quoi? C'est le HD audio? Ouais, alors ça serait où? Le HD audio d'abord. Normalement, ouais, c'était là. Que tu as les broches? Ouais. Comme ça. Donc c'est là. Donc normalement c'est là. Attends, je vais repasser. Vas-y. On va repasser là si tu peux. Celui-là, ouais, bah, je peux. Ici. Tac. Là. Là. Ouais. Là. Hop. Ah, nickel. Donc là, c'est la broche qui est en haut. Comme ça. Là. Voilà. Après c'est que des petits câbles. C'est que des petites broches. C'est une broche. Ouais, donc ça c'est pour le panel central et maintenant. C'est des LED. Ouais, c'est des LED. HD LED. Ouais, c'est ça. Tu vas faire tout aussi. Cette. Tu as déjà tout fait. T'as le reset. C'est quoi? Ouais, le reset. Donc ça doit être là, non? C'est quoi? Regarde. C'est mouche. Ah, c'est une mouche. Ah, ou c'est l'autre. Ouais, on est encore là, donc on a mis les power LED. En fait, on s'est trompé, donc ça va maintenant. Ça va. Alors, et après, on met le HDD qui va juste en dessous. Il faut faire attention parce qu'il y a une petite croix, c'est-à-dire que c'est le plus. Voilà, là, il est mis. Après, on a quoi? On a le reset SW. Le reset, ouais. Reset, ouais. Le reset SW, bah, ça va être switch. C'est à côté du HD LED. HDD ouais. LED, ce que tu vas mettre, je crois. Ouais. Et bah, c'est juste à côté. Le moins, il est à côté du moins de l'autre. Ok, bien comme ça. Okay. C'est bon. Ça c'est mieux. Après, il reste quoi? Le power SW normalement. Ouais. Il est à côté du power LED. Le plus à côté du moins du power LED. Le plus à côté du moins du power LED. Comme ça. Ouais, le plus à côté du moins. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Après il y en a encore. Il n'y a que le disque dur là. Celui-là. C'est quoi ça? Ça c'est. Ça c'est le ventilo. Ventilo? Ouais, c'est le ventilo. On laisse là alors. On va le mettre. Alors maintenant. Il y a un système fan, CPU. CPU, il est en haut. Non, mais là, non, c'est pas CPU, là, du coup. C'est un système fan. Bon, ça, c'est bon, mais n'importe où. Je cherche quoi? Bah, j'essaie de chercher le 1, encore le film 2. Oh, tu vas te montrer. Non, putain. Système fan 1, ok, il est là. Le icône de l'ampio, là, il est là, du coup, on va le mettre sur 3. Le 3, il est là. Juste là. Donc là. Là? Ouais. On reste là et comme ça. Ah merde, c'est un trou. Donc comme ça. T'as pas un adaptateur avec ton ventilo? Je crois que c'était un 4.
Tu vois ton ventilo? Ouais, non, c'est. Non. On va installer quoi? On verra après? Ah bah attends. Hop là, voilà. Comme ça. Ah ouais. Voilà. Okay. C'est mieux comme il y en a 4 mais. Là en fait 3 en fait c'est bien qu'il va tourner normal. Faudrait plus que je le passe là, non? Ouais, c'est pas grave. Ouais, comme ça. Ouais, c'est pas grave. Donc là, tout ça, bon, on va mettre ça quoi, derrière. On installe quoi? On va mettre HDD et puis le. Puis le SSD. HDD et le SSD. Hop, c'est tac. Ça. On va dire ça. Ça, attention, très fragile. Ouais, ça va surtout à faire tomber. Ouais, ça, très fragile, ça en plus. Alors. Ma chambre, c'est un vrai carnage. On a besoin de ça? Normalement, non, parce que normalement, il y en a un emplacement exprès. Ah, tu n'as pas d'emplacement exprès, t'as besoin de ça là. Ouais. Donc, lui, on va le mettre. Ça va bien. On va le mettre là. Ouais, c'est tout petit, t'as vu ça? Donc, normalement, lui, il va là. Ouais, comme ça. Alors par contre, normalement, il y a des vis. Ça va aller comme ça. Le jour, ça va faire les vis, quand même. Les trucs là, vont dans les vis. Ça maintenant ça doit aller. Ça comme ça. Mais faut pas. Passe-moi le tournevis. C'est bon. Un ouais. Petit. Il est trop gros ça. Non mais celui-là il est monté d'ailleurs. Oh putain. T'enlèves pas trop. Putain. Il baisse les couilles. Ouais. Trop fragile, hein. Mais perds pas. Ouais. C'est chiant avec cette amende. Bon. Ouais, avec les épaves. Les 4 plateaux inclus prennent en charge indifférent les disques 3,5 et 2,5 pouces. Pour installer un disque dur 3,5 pouces, tirez sur les deux côtés des plateaux pour agrandir les points de montage. Ensuite, placez le disque dur dans le plateau et repoussez le disque pour fermer. Ah nickel. Il n'y a pas besoin de vis pour fixer le disque sur plateau. Vas-y, si tu veux le faire. La caméra en arrive aussi. Donc ça c'est bon déjà. Ça nous on a trouvé. Mmh. Ouais. Bah oui. Moi je parle à moi. Oh c'est rare. Bah c'est trop. Ça normalement il n'y a pas besoin de vis. Donc normalement. Ça va comme ça. Alors. Donc il n'y a pas de vis en fait, c'est des trucs voilà, que tu mets ça. Dedans. Voilà, comme ça. Ouais, donc voilà, je me disais bien que. Alors ça. En fait, on cherche les trucs compliqués et il n'y a pas de trucs compliqués. Et moi je l'ai mis comme un coup. C'est un truc de malade. Je l'ai mis à l'envers. Comme par hasard. Hop. Ouais. Hop. Ouais, c'est mieux. De... Finalement. Et voilà. Voilà. Pourquoi on cherche trop compliqué? On regarde toujours compliqué. Oh là là, je vous jure. Ah bah je pense que ça va être long. Hein. Donc en fait ça je sais pas quoi ça sert. Ça sert à rien. Ça sert à s'il n'y a pas d'emplacement alors. Bah je sais pas. Ou qu'on peut mettre directement, je sais pas. Ça tient, remets-le, j'ai trouvé ça. Dans le malheur. Elle est où la boîte? Je n'ai pas la boîte. Yeah, bon. S'ils mettent ça, c'est que ça sert bien à quelque chose, pas ça. Ça sert, mais quoi, mais... Tac. Ok. Ça
Ça en fait des boîtes à garder. Ouais, ça en fait. Parce que ça, je peux garder. Merci. Jusqu'à temps que la garantie, elle est... Donc, et ben voilà. Nickel. Et comme ça, on va aller... Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, bon. On perd pas les vis. Il est où le carton avec tous les vis là? Il est là-bas. Hop, cameraman. On fait quoi maintenant? Un stack là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Tac, 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 tac. Et ben on va installer l'alimentation. C'est le gros truc ça. Ouais, c'est ça. On va laisser comme ça puisqu'on va passer encore les câbles là-dedans. Juste. Ah ouais, je suis chaud. Non, non, pas le chauffe. Hop, un tournevis. Ça c'est fini, c'est un problème de réglage. Je te jure, Détis. J'espère que tout va marcher parce que je pète un câble. Je vais péter un câble si ça marche. Ça c'est le SSD, ça se voit. Ici. Ah, tiens, ça je fais. Bon, on va essayer de faire un petit peu de place. Allez, tac, comme ça. Alors, ça c'est le. Ça c'est pour. C'est l'adaptateur, hein. Non, ça c'est pour. C'est du. Je sais plus si c'est du molex ou pas ça. Je sais pas si on aura besoin. Ça je pense qu'on aura besoin, c'est pour les SATA. Ouais, c'est ça. Il y a un SATA là. Et après ça, je n'en ai pas besoin. Et après, il y a un autre SATA. Ouais, donc ça, c'est bon. Et ça, c'est quoi? Non, ça, c'est le Molex. Oui, ça, c'est du Molex. Ça sert à quoi? Mais le Molex, c'est pour les ventilos. Si t'en as trop, si ta carte mère, elle n'a pas assez de trucs, tu peux les mettre directement dessus. Mais comme c'est bon, on n'a qu'un ventilo. Donc ça, c'est bon. Et ça, ça passe où ça? Ça passe là, ça? Ah ouais, ça passe là. Donc ça, il nous faudra. On va garder ça. Et l'alimentation qui est semi-modulaire. En gros, elle a pas tous les fils, c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a plein de trucs. Ouais. Voilà. Donc, ça. Bon bah la caméra va bientôt arrêter. Ça c'est pas bon, c'est à dire qu'il faudra que j'attends. Putain, fais chier. Donc ça, comme là il y a un truc pour la réaction, donc le ventilo c'est en bas. Ouais, le câble comme ça. Attends, il y a des trucs, les caoutchoucs qui barrent. Ouais. Qui se barrent déjà. Il y a des trucs qui sont excellents. Alors. C'est lui qui va me faire chier.
fraîche. Ouais. C'est sûr. Donc, ça c'est fait. Alors maintenant, ça, on va brancher ça. On va prendre la batterie. Ouais, ça va. Alors, on va pas durer, mais ça, c'est le gros truc qui va là. Donc, là, on va faire passer tout le truc ici. On va le refaire passer en haut, en haut. Ouais, en haut. En haut. Non, c'est le place, ça. Ouais, bon. Ah, on doit assez de place. Je pense. Écoute. Ah, pile poil assez. C'est lui qui vient de faire sur ou pas. Voilà. Là, ok, c'est comme ça. C'est bon, il y aura assez ou passer sur l'autre. Ah, mais là, c'est un autre. Plié. Est-ce que tu peux plier ou pas? Ouais, mais. On va peut-être passer dans l'autre. Ouais. Peut-être. Voilà. C'est qu'ils sont justes. Ah, c'est bien parce que plus t'en as, plus c'est cher. Ouais. Ça va faire du. C'est, ils sont déjà assez gros comme ça. Hein. Donc là, il faut faire comme ça aussi, putain. Et pour plier, c'est un truc de malade par contre. Ça arrive ou pas? C'est comme ça. Là, le truc il est là. Il est où? Le truc, donc il doit être comme ça. C'est sûr qu'il est à l'envers. Comment ça? Bah non, c'est comme ça. Non, attends, c'est comment? C'est comme. Bah, donc le truc il est là. Donc, le clip, ça? Ouais, c'est ça le clip. Alors le clip, tu fais comme ça. C'est moi. Voilà. Nickel. Par contre, pas de vache. Il est bien gros. Ouais. Bah, ouais. Celui-là, oui. Non, celui-là, c'est quoi? CPU. CPU c'est en haut? Ouais, c'est tout en haut le CPU. Mais le fil est pas assez grand. C'est. Ah, c'est celui-là là. Ah, c'est pas celui-là? Non. Ah, c'est lequel le CPU? Ah, bah oui, c'est celui-là. Celui-là là. Eh ben, oh. Attends. Non, c'est celui-là. Attends. Monsieur, hein, c'est une baguette. Toujours vas-y. Il ouais, faut passer. Ça passerait. Bah non, ça passera pas là. Maintenant. Alors, on se retrouve après une petite grande absence parce que les camarades n'avaient plus de batterie. Alors, on va brancher disque dur et SSD. Donc, il est là. Hop là. Et le deuxième, ici. Là. Voilà, après, oulou, est-ce qu'on aura assez de place pour... Ça va où ça? Tu branches l'alimentation. Directement. Ah, directement l'alimentation. Ouais. Voilà. Bon, c'est derrière, mais bon. Faut... Ah, celui-là? Le premier? Ouais, ouais, normalement. Normalement, je sais pas s'il y a un ordre, mais... Ouais, c'est bien, ça tient. Ça tient, on est bon. J'en ai bon, bah non, il y en a plusieurs, c'est tout. Plusieurs, c'est vrai. Ouais, c'est pour si t'as plusieurs trucs à brancher. Ouais. Le clip de génie. Bon, bah ça, il y aura le cache après. On va bien, voilà. Donc on branche quoi d'autre? Lui, qui va être sur la carte mère, donc... Carte mère. Est-ce que je prends un coudé ou le coudé va plus là-bas? Je vais prendre le coudé un peu plus là-bas. Alors attends, on va brancher ça après. Ici. Et bah où ça? Bah attends, on va le brancher après, puisqu'on va le tourner. Ouais, on va le tourner. Ok. Voilà. Hop, ok. Et le deuxième. Ça c'est quoi ça? Ça. Attends, pareil. Voilà. Bon, c'est juste ça. Par contre, le fil. Moi aussi. C'est où ça va où ça? Bah, pareil, c'est sur un port SSD. Donc, alors attends. On va tourner. Tiens, retire le truc là. Là, ça va être. Tac, tac. Hop. Vas-y, tac, sur le haut. Voilà. Donc, alors, celui-là, oh non, en fait, je crois que c'est petit, mais non. Alors, le coudé, il est où? Eh ben, c'est là.
Alors en plus. Bork, c'est un truc rouge. Hein. C'est quoi celui-là? Bon, tu vois, non, c'est marqué quoi aussi? Bah, ouais, ok. Non, bah, c'est gigabits. C'est le qualifié gigabits. Je pense que tu dois retirer, hein. Ça sert à rien, le truc. Ouais, ça sert à rien, ça. Ouais, bah, tu vois, ça fait plus beau. C'est marqué quoi? SATA pour 6 mi-SATA slot is US. Ça. Par contre, faut que je regarde, c'est est-ce que c'est du SATA 3 ou du SATA 6? La carte graphique? Non, là. C'est la carte graphique. Elle est pas en SATA, la carte graphique. Ah merde. Non, c'était aussi une 6GB. SATA 3. Là, c'est du SATA 3, ok. SATA 6, ok. Donc, c'est du SATA 3, 6, ok. J'ai vu quelque part le SATA. Ou quoi? J'ai vu quelque part. Bah, c'est là le SATA. Ouais. Donc, lui, on n'a pas autant besoin de câble en fait. Ah, désolé, je suis un peu de pour la caméra. Obligé. Je vais passer autrement. Fais-le moi passer juste là, ici, tiens. Ah. Ouais. Ça. Comme ça, voilà. C'est du SATA en 6. C'est pour aller un peu plus vite. Et lui, bah, j'ai noté 6. Ouais, tu l'as mis derrière. Hein. Il y en a un devant encore. Ouais, il y en a un devant. Je passe ça. Ouais. Oh, désolé. Ça se retire plus. C'est fini. Fini. Bon bah laisse tomber. Attends. Ah ok, faut appuyer. Ah ok, faut appuyer sur tout. Donc, ici. C'est la même ou pas? Ah non, c'est le contraire, ouais, vas-y remets-le. C'est le contraire? L'inverse, ouais. Ah donc comme ça. Ah ouais, donc. Ouais. Ah bah c'est mieux, ouais, bah ça revient de toute façon. J'ai niqué les deux ports, j'ai niqué les. Ouais. C'est pas pratique. Et donc celui-là en SATA 6, non putain. SATA 6? Ouais. Par contre c'est du côté, je vais pas mal. Non, SATA 3 tu veux dire. Ah non, SATA 6, ok, SATA 6. J'ai pas vu. Ouais, ok, parce que la 6GB là c'est pas super. C'est là, hein. Un peu plus en haut. Voilà, l'autre appui. Mmh, pilote. On va. Voilà. Moi aussi, je fais pas les câbles comme ça. Mais ça câble pas encore ça. On verra après pour les films. Bon, on prend quoi d'autre maintenant après. Ok. Et bah maintenant, bah la carte graphique. Mais c'est la carte graphique. Donc par contre là, en fait, ça enlève le truc là. Hop. Ça c'est l'orientation. Ça va. Avec le tableau. Alors, ça, ça va être déjà fait. Comment t'as vu? Change de colis. La boîte est dure. Allez. J'ai un peu galéré. Voilà. Une fois. Pour maintenant, c'est ici. En fait, t'as oublié de couper. Ah. Ouais. Oh, putain. Allez, ta boîte. Ah, putain. Ouais. Et après, c'est là. Je vais ranger le symbole pour la carte graphique. C'est nommé ça. Ça a gardé. Non. Ça existe pas.
Oui, mais si, ça existe encore. Ah oui. Bah oui. Tu l'avais pas pris en couleur rouge, normalement, celle-là ? Non. Hop, des papiers, toujours des papiers. Beaucoup de papiers. Ça, je crois que ça va me servir, mais ça va me servir. Ça va toujours. Allez, alors. Ça se prend. Hop. Oui, hein. Ça prend toute la place restante. Alors, il nous manque, ça prend une certaine place. Donc, il faut en plus glisser. Alors, c'est compliqué pour mettre. Dévisser quoi? Ça va juste ce cas? Certes, c'est. Alors, si, normalement, c'est. L'écran, elle s'en va. Ce sort, tout le monde est fini. Voilà, comme ça. C'est bon, ouais. Attends, toi t'as accroché avec. Ouais, c'est bon. T'as que comme ça? Non, il faut après, les visser là. Ah, bah ouais, bah. Et tenir là. Oh, ok, ouais, en fait, c'est bon, ouais. Ok, faut dévisser. Ah, vas-y, attends. Ils sont où les trucs? Hein? Ah, ils sont venus, tournevis, s'il te plaît. Tournevis. 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 Allez, tu tournes, Non, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est celui-là. Voilà, c'est bon, cherche plus. Vas-y, laisse tomber. Donc ça veut dire deux de chez nous, pas deux chez nous. Non. Hein? C'est mieux. L'idée c'est mieux. Tiens. Okay. Ça me paraît trop bizarre ça. Pourquoi? Tu peux pas la rentrer là-dedans, non? Par hasard? Je sais pas, je dis ça. Ah bah non, tu peux pas, non, bah non, tu peux pas, tu mets le truc au milieu. Ou le contraire, non? Ah, attends. Faut dévisser ça. Pourquoi t'as... Il y a des vis, là. Ah bah vas-y. Parce que 3, c'est pas possible, de toute façon. Pourquoi tu peux... Ah, tu peux... Ah bah, tu peux tout dévisser. Tu peux là, dévisser là. Des fois il marque pas, ouais. Hein. C'est bizarre. Ce serait pas... Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, t'as... Ah bah non, c'est pas possible. Non, c'est bien comme ça. Regarde, voilà. Ah bah voilà. Ah bah là, c'est mieux, bah oui. C'est mieux, mais... Tiens, vas-y, essaye. Voilà. C'est mieux, quand même. Alors là, ça sera bien. Ça a l'air de mieux marcher, hein, non? Donc, faut que je mette un peu à l'intérieur. Donc, comme je vois. Ah. Je sais pas si je suis dedans, c'est ça que je veux. Bah, je vais mettre, tu vas être dedans, non? Non, non, t'es pas dedans. Ouais. Je suis pas dedans. C'est un peu plus à côté, hein. C'est là. Ah merde, putain, je retire un. Ok. Non, attends. Et j'en ai oublié d'en retirer un. Putain. Je retire le mauvais. Je me disais. Ah bah oui, t'es obligé de t'en. Donc, bah on les genre. Voilà, bon, c'est pas ça.
Donc, ça risque pas de marcher si. Journée. Et l'autre à côté, ça va, ok, t'as juste le barrette là, ok. Que... Et tu la remontes? Ouais, je la remonte. Pour éviter que la poussière monte. Ah ouais. Voilà. Oh là, ça pète. Voilà, et celui-là. Pas tout sur le boîtier hein, parce que ça je savais pas du tout. Ah, et voilà, bon, ça passera mieux comme ça. Alors que j'ai appuyé sur la main, ça là, hop voilà, hop voilà. C'est bon, non c'est ça. Voilà, normalement tu clips. Ouais, normalement ça se clipse. T'es là? Bah là ouais, non t'as plus de chanson. Ah voilà. Là c'est bon, moi c'est dedans. Ah, c'est pas dedans? Non, on regarde. Hop, voilà. Voilà. On est dedans. Voilà. Voilà. Ah, là on est dedans. Voilà. Là c'est tiens. Voilà. Là c'est bon là? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et t'as donc juste appuyé pour la retirer, t'as juste appuyé là. Ouais. Donc maintenant on a juste à revisser. Et merde. T'en avais. C'est quoi là? T'es vrai, tout à l'heure on avait besoin de celui-là tout à l'heure. Ouais. Pourquoi j'ai pas pris avant? Hop. Voilà. Voilà. Bon. On y arrive, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Ouais. Je suis pas dedans, c'est encore ça. C'est là-bas. Maintenant, est-ce que ça on peut le remettre? Bah oui, c'est normal. Ouais. Comment ça va être? Bah tu l'as démonté comment? Aucune idée. Bah attends, les vis c'est comme ça. Voilà. Ah ouais. Mais les vis c'est trop. Ah ouais, mais attends là. Ah ouais. C'était pas dedans, ça se trouve, c'était juste comme ça. Oh putain merde. J'ai dû penser. On s'est chié pour rien. Non mais c'est un truc de malade. Oh là là, moi je vous le dis les gens. Putain. Oh putain, on cherche compliqué, mais il y a un peu compliqué là-dedans. Et je vais retourner. Voilà. Bon, après, il y a quoi de monter là? Non, c'est bon. Juste la connectique pour les monter, c'est tout. Voilà. Donc, alors, lui, c'est bon. On va pas faire chier son nom. Que lui. Donc, et bah, lui. C'est la carte graphique. Là. Avec un clips, avec un machin. Voilà. Et l'autre, il fait quoi? L'autre, bah, il sert à rien. L'autre, ah, il sert à rien. Il y a des trucs qui servent à rien. Ouais, voilà. Celle-là, c'est pour le deuxième, celle-là. Ouais, ça, c'est pour mon ami, c'est pour le deuxième. Ça va être comme ça. Tac. Ça fait mal que t'as une deuxième, en fait. Deux cartes graphiques. Sauf celle-là, tu peux pas. On peut pas faire de SMD avec celle-là. La 1060, c'est ça, on peut pas. Putain, c'est chiant. T'imagines 2060. Ça fait 1080. Elle qui vaut, je crois, combien de. Donc, et ben, on va regarder pour un petit coup. Si tout est bon. Là tout est bien chine. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Il est tout rebranché normalement. Tout est bon. Ah bah si, attends, c'est quoi ça? Non, ça sert à rien, c'est pour mettre un lecteur ouais, CD et tout. Non, j'ai pas acheté. Ouais. Je vais faire mon rabat sur ça. Et tu vas faire comment pour les jeux? Et ben maintenant t'achètes les jeux en dématérialisé. Ah ouais, c'est top. Alors, on va regarder. Alors là par contre, du coup ça sert à quoi?
Là, pour ceux qui ont... Je sais pas. Bon, ouais. Bon bah, c'est pas grave, ça, il faut garder. Et les ça fils aussi. On fait les fils. Ouais, les fils, regardez un coup. Regardez un coup les fils. Ça, c'est bon. Après, il faut ranger aussi. Ouais, bon, il y a juste les deux là à ranger. T'en as plus des cercles là ? Si, j'en ai encore. T'en as encore un, on va refaire ouais, un. On va refaire un. Bah, celui-là, non, on le laisse là. Celui-là, on le détache pas, c'est pas la peine. Ouais. Ok, donc on se retrouvera juste après pour montrer, voir s'il fonctionne et tout. S'il fonctionne pas, je pète la câble. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.